Are you the one who's on the radio station? Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? Salut, bienvenue sur Quartier des ondes pour la playlist de la semaine autour du sport. Aujourd'hui, on va vous proposer quelques musiques qu'on trouve sympas pour aller courir, faire du yoga ou de la muscu, tout dépend des goûts. Alan et Aurélia sont avec moi, bonjour. Bonjour. Salut Élise. Et pour commencer, je vous propose de la musique française qui groove. Vous les avez déjà entendus dans la playlist Quartier des ondes avec le son Kai Perinha. C'est Joe Joa et Lieutenant Nicholson. Aujourd'hui, on s'écoute El Niño. Cette musique, elle nous transporte gaiement au cœur du réchauffement climatique. Moi, je l'utilise pour me réchauffer, moi, avant d'aller courir. On écoute El Niño de Joe Joa et Lieutenant Nicholson. La pluie ne tombe pas. Y'a pas d'eau. La neige qui fond là-bas. Ça c'est chaud. Arrêtons les débats. Là c'est chaud. Il frappe ici et là. El Niño. Vous êtes sur Quartier des Ondes dans la playlist de Quartier des Ondes. C'était Joe Joa et Lieutenant Nicholson avec le son El Niño. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle 2+. Alors l'équipe, qu'en avez-vous pensé? Moi j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup le mood. C'est mood faire du sport, tu vois, à l'extérieur. Ah ouais? Sur les structures. Toi c'est extérieur. Ouais, petite enceinte et ouais. Ouais. Moi je vois ça un peu pour l'échauffement. Tu vois des petits mouvements. Tit. Tu vois, les petits haltères. Ouais, pour l'échauffement, ça marcherait bien carrément. C'est doux. Ça te marcherait bien un sport où tu te refiles des ballons. Tu sais, genre, il fait chaud, tu prends le ballon, ouais. Il fait froid, tu redonnes un truc collectif plutôt, ouais. Voilà, puis il y avait le petit clin d'œil, il fait 40 degrés à Brest. Je trouvais que c'était sympa. Ouais, tout à fait. C'est local. Moi, j'aime bien, ça me fait penser un peu aux instrus de Flavien Berger que j'avais présenté une fois ici. Les synthés un petit peu, je sais pas, jazzy et en même temps électro. Enfin, je sais pas, j'aime vraiment bien. Voilà, je valide complètement. Et puis quand même un morceau sur la playlist où il y aura marqué où ils disent où sont la montée des eaux. Bon, je pense qu'il faut absolument avoir un morceau dans lequel c'est assez simple, c'est mais ça fonctionne quoi. C'est non mais vrai. Je pense que c'est assez qu'il y a de l'humour en plus dans cette chanson. Enfin, je veux dire, c'est très premier degré. Leur album, c'est cool. Marrant parce que c'est assez engagé. C'est leur troisième album. C'est assez engagé, mais c'est toujours sur un bon mood comme ça, toujours guiré un petit peu. Donc il y a des chansons, voilà, qui s'appellent. Il y a une chanson qui s'appelle Planète dans le nouvel album. C'est une bonne stratégie pour faire passer des messages, hein, parce que c'est un peu flippant. Je place un petit bémol juste sur la durée de la chanson qui est à 4 minutes. On peut-être faire une petite radio édite, mais en même temps, elle est entêtante, donc ça marche bien. Attention, Alan, il est très, très à cheval sur la durée des sons. Ah bon, je sais que c'est un paramètre en prendre en compte. Les règles, c'est important.
Eh bien, toi, Alan, alors, on va voir si t'as respecté le temps dans ton son. 2 minutes 44 pour celui-là. Waouh. Il avait préparé, quoi. Alors, le prochain morceau que je vais vous présenter, c'est Fetty Wap de Maes. Moi, j'aime bien écouter, en général, dans le sport, j'ai deux ambiances. C'est soit plutôt sombre et agressif, quelque chose de lourd, ou soit, au contraire, complètement ensoleillé et entraînant. Voilà, ça dépend des séances, de si c'est à l'extérieur ou pas. Si c'est difficile ou pas. Si c'est difficile ou pas, des exercices, voilà, pour une course, c'est peut-être mieux d'avoir des Donc là, c'est plus... plutôt sombre ou c'est plus entraînant? Et voilà, ça fait un peu entre les deux. Maes, il a sorti son... c'est sorti dans son album qui est sorti le 10 mars 2023 et c'est un peu le blockbuster du rap FR. C'est souvent des morceaux très imagés, cinématographiques, un peu comme les gangsters hollywoodiens, quoi, dans le cinéma. Donc, c'est entre les deux. Les keufs viennent péter à 6 du mat. Bélier devant la porte, garde un œil ouvert comme Fetty Wap. Bah les coups si j'ai tort, j'ai toujours raison, calibre sur moi. Ils ont pas pour l'apport, pas de quoi investir sur le kilo d'oin. Faut taper direct dans l'intermite. Clé si je peux plus me permettre, 7,60 de lunettes thermiques. J'atteins à plus de 100 mètres, j'suis en gros bolide, j'ai plus de permis. Bodot ou paternel, ça sort calage, ça fume la weed. J'ai deux silences comme John Wick. Détailler des kilos de bœufs, détailler des kilos de C. Pour nous c'est la même. De l'OPJ au bas que en passant par l'îlot J. Va niquer ta mère. On éteint avec le feu, on allume avec le fer. Pour nous c'est la même. De l'OPJ au bas que en passant par l'îlot J. Va niquer ta mère. Des deux fenêtres, qui jouent les Tony Montana. Je les ai vus naître, j'étais déjà dans marijuana. Je connais un appui d'aide, toi et ouvrant, je suis sous canard. De couleur à la montagne. J'fume un gros pilon de Ketama. J'sais dire ce que j'ai à faire. Y'a 2-3 kilos à katana. J'récupère les affaires. J'vais tout déposer chez la nana. Bien sûr que j'me resserre. J'bédave la BR go banana. Il m'faut des louves et des livres sterling. Faire péter, j'peux plus me permettre. Quand j'les vois, j'cours comme Raheem Sterling. J'suis cramé dans périmètre. Y'a 600 chevaux dans la berline. 22 pouces de diamètre. On commence boulot et on termine. J'ai deux silences comme John Wick. Détailler des kilos de bœufs, détailler des kilos de C. Pour nous c'est la même. De l'OPJ au bas que en passant par l'îlot J. Va niquer ta mère. On éteint avec le feu, on allume avec le fer. Pour nous c'est la même. De l'OPJ au bas que en passant par l'îlot J. Va niquer ta mère. Des deux fenêtres qui jouent les Tony Montana. Je les ai vus naître, j'étais déjà dans marijuana. Je connais un appui d'aide, toi et ouvrant, je suis sous canard. Ah, la Montana. Allez, il est prêt à faire des pompes, là. Ouais, carrément. Mais voilà, c'est le message n'est pas aussi puissant que celui d'avant, mais... Ouais, c'est ça. Ah, ça par rapport à l'eau. Non, bah, c'est vraiment cinématographique. C'est l'image du grand banditisme qu'on peut voir dans les Tarantino avec les katanas, j'en sais rien. Mais... Voilà, c'est vraiment... On a entendu le petit bruit de l'âme, d'ailleurs. Oui, voilà, petit détail dans l'instru. Moi, ce que j'aime bien, et c'est vrai que je te rejoins là-dessus, je me vois bien courir, tu vois. Ça fait penser à El Clasico. Ah oui, classique organisé. Ah ouais, de ouf. C'est un peu les mêmes rythmes. C'est un peu la même, assez speed quoi. Mm. Et t'as raison, il y a ce truc un peu enjoué derrière. Mm. Et puis le texte qui est un petit peu plus lourd avec la voix grave. Mm. J'aime bien parce qu'en plus on comprend bien les textes. Je trouve qu'il a une façon de rapper qui est très compréhensible. Oui, souvent lui, Maes, quand il rappe, se pose sur la prod, il rappe pas nécessairement avec un débit très haut. Non, donc, c'est assez lent en fait sa façon de rapper. Ouais. Justement, ça dénote un peu avec le rythme rapide. Ouais, moi j'aime vraiment bien. Bah. Pareil pour toi, Élise. Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai que ça me fait. Je trouve que ça sort pas du lot, si tu veux. Enfin, comme son. Bon, c'est très mainstream. Ouais. Mais ça passe bien. Bon, bah écoutez, Maes, Fetty Wap est sur la playlist Quartier des Ondes. On va changer de style, je pense, avec Aurélien. Bon, celle-ci encore change pas trop radicalement. C'est peut-être la prochaine qui va vraiment changer. Mais oui, moi je propose un morceau de Zed Young Pavarotti. D'ailleurs, je crois que j'ai découvert grâce à Alan à la base. Je suis allée le voir en concert là, à l'Antipode et j'ai flashé sur son morceau Merveille qui fait partie de son ancien album, qui est donc l'album Bossen qui est sorti en 2020. Je crois qu'il est quand même assez. Ça a beaucoup marché ça a bien ce marché, morceau. Enfin voilà, c'est un morceau quand même qui est pas mal écouté par les jeunes. Mais moi je le trouve très entraînant pour faire du sport parce qu'il est très. En fait, je trouve qu'il fait des refrains qui sont très fédérateurs, très. Un peu comme du rock, d'ailleurs son nouvel album est plutôt rock. Il y a un côté très fédérateur, très entraînant et enfin voilà, on va découvrir Merveille de Zed Young Pavarotti sur Quartier des Ondes.
belle histoire, c'est pas si mal. Y'a plein d'effets, le cordon ne ferait personne qui touche la terre. T'en vas pas, mon règne dure à l'air au sol. L'heure n'a pas bon maître, l'être que perdent les âmes qui font le rêve, les autres perdent un magot. J'prendrai tout ce qui reste et j'en ferai un tableau. Et j'ai le sourire aux lèvres, le ventre adore la guerre, mais mon cœur je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le sceptre et pas la main. La peur c'est la paix qui dure. Vous avez sûrement du coup reconnu ce morceau, Merveille de Zeignon Pavarotti. Voilà, j'aime bien ce mix un peu étrange entre du rap, du rock, de la trap. Il y a un côté un peu nostalgique avec variette, cette, avec ce, ouais, même variette avec cette guitare folk hyper, un peu folk, ouais, hyper affirmée. Alors que pourtant sa voix est complètement autotunée et tout. Enfin, je trouve le mix entre les deux est assez osé. Et ça change. Ça je suis pas sûr que sa voix soit hyper autotunée là-dessus. En vrai. Bon, je pense qu'elle est pas hyper naturelle, moi, quand même. Ok, ah ben ça, soit, soit. Faudrait qu'on l'ait en interview pour savoir. Ouais. Après, peut-être. Vous pouvez découvrir son nouvel album aussi qui vient de sortir, qui est vraiment plus, plus rock, plus comme le refrain. Ouais, pop rock teenager. Pop rock teenager un peu, mais qui est vraiment sympa, qui est sorti il y a 2 mois et qui s'appelle Encore. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce morceau ? J'aime bien. Bah, moi, j'adore ce morceau, je chante très souvent. Donc, effectivement, pour aller courir, je pense qu'il est pas mal entraînant, par exemple, même si je ne cours jamais. Ça fait un peu générique de série, en fait. Je trouve, je sais pas comment dire, le refrain là, générique d'une série qui se passerait au bord de la mer avec des gens qui, des jeunes qui sont autour, autour d'un feu. Donc ça fonctionne avec le footing. Footing au bord de la mer. Au bord de la mer ou surf. On valide, on valide. Footing, on reste sur le footing et on reste sur le rap. Moi, quand je pense footing, je pense tout de suite rap. J'aime bien écouter du rap parce que je me concentre sur les paroles et du coup, je vois pas le temps passer. Et forcément, si on parle de paroles, je pense à l'homme pâle et je voulais qu'on redécouvre un de ses sons qui est X-Men, qui est issu et extrait de l'album Janine, sorti en 2018. La fierté prend toute la place dans tes yeux. Comment tu veux voir les choses comme elles sont vraiment? Moi je vois. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Je vois tous les trous que tu fais dans le mur le soir quand il est tard. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Ton poing se casse en traversant le mur. Trop de colère et de tristesse. Mauvais mélange dans le système. L'herbe n'est pas toujours assez puissante. Adrénaline dans les veines, veines, veines. T'as pas besoin de ça pour dormir. T'as juste besoin de miel et de verveine verte. D'accord, l'enfer c'est les autres. Sauf que sans les autres, t'es encore plus mal. T'as fermé les yeux. 10 jours après, t'étais toujours seul dans le même plumard. On s'embrouillait, tu lis même plus mes textos. C'était déjà trop rempli dans ta tête. Et maintenant y'a ton ex-copine. On a tellement peur que ça explose. Ça sert à rien de mettre la télé fort. Ça stoppera pas tes beaux souvenirs avec elle. C'est tellement rare d'aimer sans faire d'effort. Sauf que c'est tout l'inverse quand elle est folle. T'es parti pour ça mais c'est quand même dur. Quand son nom s'affiche sur ton téléphone, c'est la décharge d'une piqûre de méduse. Oh. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un autre. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Faible comme un autre. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un autre. Regarde-toi, t'es pas un X-Men. Tu croyais quoi, t'es pas un X-Men. Faible comme un autre. Ouais, t'es con quoi. Pourquoi tu tapes dans le mur? Tu vas juste te faire mal, hein. T'es con? Regarde-toi, t'es pas un X-Men. T'es pas Logan, t'es pas Wolverine. Tes plaies ne se referment pas toutes seules. Son nouveau mec serait mort de rire. Mais lui et elle, on les baisse. Viens, on arrête de parler d'eux. Y'a plein de raisons pour aller mieux. Repense à la finale gagnée par les bleus. Ok, t'aimes pas le foot, quel monde de merde. Et patati, et patata. Et tu viens plus aux soirées. T'aimes pas ta vie, t'es pas d'attaque.
pensé à une autre quand vous le faisiez. Aujourd'hui tu donnerais tout pour revoir son fessier. Toi t'es ce genre de connard qui a du mal à se contenir. Et moi je suis ce genre de connard qui veut dire que la vie continue. On est là, deux connards, l'un qui parle, l'autre qui pleure. Le cœur en flamme, sauf qu'il peut. Un zéro pour le mieux. Un zéro pour le démon. T'as pas de deuxième pour pas d'armure. Voilà l'écriture de l'Homme Pâle, hein, franchement, c'est, je sais pas, je trouve ça incroyable. À chaque fois, c'est tellement poussé, c'est tellement précis. La veine verte, y a des trucs qui claquent, quoi. Bah ouais, bah tu prêches une convaincue. Moi, je suis une fan de l'Homme Pâle en vrai, donc ça, évidemment, ça me plaît. J'aime beaucoup son univers en plus avec ses synthés. J'ai toujours l'impression d'être dans une ville nocturne où, je sais pas, il y a quelque chose qui ralentit, qui s'accélère. Je sais pas, j'aime bien l'Homme Pâle. C'est vrai. Point positif en plus pour Jean Jass que moi j'apprécie tout particulièrement. Qui marche qui très bien Jass. Sur Jean Jass. On a déjà mis un son de lui avec son duo Caballero et Jean Jass. Voilà, et je trouve très que bon Jean Jass est très bon sur des prods. Rodia, tu ne suis pas ce qu'on fait en émission quand ou quoi même, Je me fais engueuler en public. Quoi. Non, mais du coup, ouais, il passe très bien sur ce genre d'instru et de style de musique, Jean Jass. Je trouve un peu mélancolique, mais du coup, tu le conseillais pour du footing et pour le coup, je trouve que ça passe très bien. C'est toujours un moment où tu te retrouves dans des petites émotions, tu penses à plein de choses. Donc... Ouais, puis le titre X-Men, quoi. Mais tu t'es dis pas comment X-Men, ça, je suis pas X-Men, ouais, je suis X-Men, moi je cours trop vite. Très je vais faire 2 km en 5 minutes, ça va être incroyable. Ce que je ne ferai pas, évidemment, mais j'essaye. Mais au moins, tu l'as en tête. Donc en plus, tu sais ils citent Wolverine et tout, donc c'est cool. Oui, leur texte, c'est très bien. Moi, mon prochain morceau, c'est pas du tout pareil, mais ça reste quand même dans le rap. C'est le but. C'est Vladimir Cauchemar, donc c'est un producteur à la base, compositeur de musique, d'EDM musique, donc plutôt de la musique électronique de club. Mais il a bossé énormément avec la scène rap francophone et il a sorti un EP le 4 juin 2021, donc ça commence à dater un petit peu, un EP qui s'appelle Brrr, B-R-R-R, quoi. Et le son que je vous fais faire écouter est le titre éponyme, donc qui s'appelle Brr, avec Vald et Rimka. Rimka qui est d'ailleurs pour les plus vieux. Rimka. Un des fondateurs du collectif Mafia Quinfri. La Mafia Quinfri, tu connais ça toi? Bah oui, je connais le 113, Mafia Quinfri. Je connais moins. Mais ça fait un moment que. C'est la base du rap ça. Bah il fait partie des Rimka de ces personnes de l'ancien temps qui sont vraiment hyper cotées dans le rap moderne. Bah oui, c'est clair. Okay. Et qui continue. Je de ne faire savais des pas tubes. Qu'il continuait à faire des choses. Et bah il fait plein de choses. Donc je vous fais découvrir. Que du rouge bleu comme un campagne. Avant mon nom est dame. Et les pistes la donne, y'en a pas la bonbonne. Je viens d'appuyer sur un double air fantôme. Donc le moteur en run. Donc les meufs sont bonnes pour toucher le gros lot. Moi j'suis toujours relan. No flexin', oh shorty. J'suis trop chaud, j'fais un all-in. 2-2-5, régulé comme Kobe. Laser bleu, Obi-Wan Kenobi. Ça regarde mal dans les soirées showbiz. Mais j'm'en bats les couilles. Tu peux m'aider comme. Moi j'suis contre les sommes. Yes, mec, y'a mon funky brrr. Brrr. J'suis sur un boy, y'a mon funky brrr. Elle a cru j'allais danser sur du dance. Je suis un boy et mon friend qui brrr. Je me verse quelques gouttes. Je roule, je fume, je tousse. J'sais même plus quelle journée. J'ai la tête dans cette boxe. Je roule, je fume, je tousse. Fallait pas réveiller le monstre. 12 diamants sur la montre. Viens mon phone qui brrr. J'monte dans le 4 roues motrices. J'suis chez les cas mobiles. 50% pionique, 50% hydroponique. Bip bip, je sonne au portique. Semi-automatique. 50% pionique, 50% hydroponique. Personne respecte l'insigne. Mais tout le monde respecte le gun. Ma femme voulait une robe. Je lui ai pris la même que Young Thug. J'arrive comme une fusillade dans le club. Mon équipe c'est moi tout seul. Je verse l'alcool dans le seau. Y'a mon fun qui sonne. Y'a mon fun qui brrr. Brrr. J'suis un boy. Y'a mon fun qui brrr. Brrr. Elle a cru j'allais danser sur du dance. Brrr. J'suis un boy. Y'a mon fun qui brrr. Alors
c'était le morceau. Ah ouais, Rimka. Oh ouais, mais tu sais le faire. Bien sûr. Je l'avais mal fait tout à l'heure, c'est vrai. Petite rectification, j'avais pensé au début au morceau d'élévation de Vladimir Cauchemar avec Vald. Et du coup, j'ai fait une erreur. C'était Laylo et Rimka sur ce morceau et pas Vald. Rimka qui assure toujours. Hein. Qui assure de ouf, qui s'est jamais arrêté en fait de faire des tubes. Et du coup, vous avez réussi à identifier quand c'est Rimka qui. Ouais, c'est la deuxième voix, celle qui est plus parce posée. Moi, je me rends pas compte. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça se ressemble un peu les voix, mais c'est bien, ça crée une harmonie au son. On comprend pas trop tout ce qu'ils disent, mais c'est ambiance. On sent en tout cas que tu cours pas beaucoup, Alan, parce que ça parle pas mal de cigarettes et de plus que cigarettes. Non, mais c'est une question. Là, ils parlent de robes, d'argent. C'est très capitaliste comme son en soi. Enfin voilà, c'est la réussite, c'est tout un mood. Hein. C'est... Oui, je pense pas qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce que je charrie. Non mais c'est vrai que courir comme ça, il y a un rythme, il y a un vrai rythme dans le son qui peut motiver effectivement pour faire du sport. Ouais, puis j'étais hyper hyper surprise, ça a fait rire Élise la tête que j'ai fait quand t'as lancé le son parce que c'est vrai que cette voix là hyper hyper grave et puis il y a un petit une sorte de compresseur ou je sais pas qui fait que c'est une voix hyper métallique. Je trouve ça intéressant, j'aime bien. Bah c'est la voix de Laylo est souvent c'est un artiste que si vous voulez découvrir, il fait des voix très très à lui, il a vraiment un gros boulot sur son son à lui quoi. Ouais, un peu comme Damso qui a une voix, ça se voit qui est hyper hyper travaillée dans les mix, ouais. Dans les mix, quoi. Bon, là, sauf que ça fait un peu plus métallique, sa voix, enfin, un peu moins naturel, on va dire. Mais... Son délire, c'est le côté bionique, robot, donc c'est pour ça que ça s'en rapproche, je pense. Voilà, pour le coup, on va vraiment partir sur un morceau très différent. Et il est validé, le morceau, en fait, ou pas? Ah, on valide. On part sur des étirements, c'est ça, Aurélien. On va partir sur des choses plus calmes. Moi aussi, après. En vrai, c'est pas si calme que ça, mais c'est juste qu'on quitte le monde du rap. Vous savez, on avait fait un plateau délocalisé pour les trans musicales. Élise, tu te souviens, on avait interviewé, bon, pas les artistes, pas Barbara Rivage, mais une école, Pascal Lafaille, il me semble, qui avait fait un projet avec Barbara Rivage. Et donc, cet artiste qui était en résidence pendant un petit moment donc avec les trans musicales a sorti un morceau qui s'appelle « Tes yeux vertige », qui a sorti bon, très récemment « Visage triste », mais qui vraiment n'est pas la musique pour faire du sport. Donc, j'ai changé un peu au dernier moment « Tes yeux vertige ». Vous allez voir, c'est quand même un peu plus dansant. Ça fait un peu penser à un morceau qu'on pourrait écouter en boîte de nuit, mais c'est vrai qu'on va partir dans un registre différent, plutôt pop électro française. Bon, je vous laisse découvrir ce duo sur Quartier des Ondes, Tes yeux vertige. Dans un malaise nocturne. Tes yeux vertige de Barbara Rivage, qui est donc un duo. C'est Roxane qui chante, Vivien qui fait de la guitare, et puis tous les effets que vous pouvez entendre, c'est un duo folk électro. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je veux bien partir au pays sans âge. Elle dit ça à un moment dans les paroles. Les paroles sont assez sympas. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est un peu un style pop-rock davantage que pop-folk. Ils se définissent comme pop-folk après. Voilà. Ouais, bah, moi, ça m'a fait mais penser au... C'est vrai qu'il y a un riff très, qui fait très rock, hein, de toute façon. Pop-rock, ouais, ça me fait penser à ça, ce qui me fait penser au Rita Mitsuko, moi. Mais oui, voilà, mode, mais un de peu fou, électro. Mais oui, voilà, je me suis dit exactement la même exactement, chose. C'est cette façon qu'elle a de placer les mots très étonnant. Et puis j'aime bien les voix, les femmes qui ont des voix graves comme ça, je sais pas, je trouve ça change et... Ça la rend, je sais pas, là, ça lui donne une présence particulière. Mmh. Un peu comme Clara Luciani, par exemple, qui est une voix aussi un peu à l'ancienne, on va dire, même si ça veut tout et rien dire, mais... ça change du rap, effectivement. Il va falloir bien le classer pour, dans la bonne playlist, mais c'est vrai que c'était agréable. En tout cas, c'est entraînant, donc forcément, ça marche bien avec le sport. Ça marche pour le sport. On peut faire des squats dessus. Tout à fait. Bah, là, mais... comme vous avez pu capter, il y a ce riff rock derrière là, qui peut être un peu perturbant parce qu'il ne voilà, il ralentit jamais et il continue, donc ça peut être vite un peu fatigant. Il faut garder le rythme. Pas le droit de ralentir sur ce morceau. On garde le rythme, en tout cas, de l'émission. Et on parlait d'étirement juste avant. Et moi, je vous ai choisi un petit son pour ne pas négliger cette partie très importante du sport pour ne pas avoir de courbatures. Au-delà de la petite bière nécessaire pour éviter les courbatures, paraît-il, que j'aime beaucoup. Pour ça, pour les étirements, rien de mieux que de la musique enchanteresse. Et là, je vous propose d'écouter les Vulfs. Groupe de funk, excusez-moi, américain, qui vient de sortir fin 2022 un nouvel album. Et dans cet album, il y a un son qui s'appelle Miracle. Je vous propose de l'écouter maintenant sur Quartier des Ondes. All life is a miracle, miracle, miracle. All life is a miracle. On, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on like you do. Cause when they play that second line, you got nothing left to prove. My life is a miracle, miracle, miracle. All life is a miracle. That's all you gotta keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on like you do. Cause when they play that second line, you got nothing left to prove. Le groupe Vulfpeck avec le son Miracle, Miracle en anglais pour faire des étirements après le sport. C'est un peu mou pour le running, mais pour faire des étirements, je trouve que c'est très agréable, très doux et que ça se prête bien à ce type d'exercice. C'est vrai que tu sors d'une séance de sport, t'as besoin de te relaxer. C'est un peu comme quand tu t'allonges là, après la séance où t'es un peu comme défoncé d'après la séance. Ouais, ça marche bien, à mon avis. Ouais, moi j'aime trop le côté un peu gospel en fait, voilà, des voix en fait qui chantent tout ensemble avec un peu ce côté funk dans le sens où c'est très finalement c'est très simpliste, c'est-à-dire on suit vraiment la rythmique quoi, c'est les voix et la basse batterie quoi. Enfin il y a le piano qui rentre un peu après, mais c'est ouais, j'adore ce genre de couleur musicale. C'est très simple, c'est glaise, ça fait du bien, c'est doux. Après, leur album n'est pas fait que de ce type de musique, donc je vous invite à le découvrir. C'est vrai que celle-ci, c'est mon petit coup de cœur. Moi, j'aime bien les petits sons assez simples comme ça, mais qui détendent, on va dire. Ben, c'est validé. C'est validé pour moi aussi.
Merci. Merci. Voilà. Merci, je suis validée. Oui. Collective. Oui. Moi, je rechange le mood, on arrête les étirements, on arrête la récupération. Ah bon, on repart. Et on repart sur des pompes et des tractions. Je vous ai pas mis le gras dur, hein, quand même, j'ai pas été dans le cliché. Merci. Mais voilà, j'ai choisi un petit jeune de la nouvelle génération là, qui fait de la jersey drill, donc qui reprend cette musique qui est la jersey, qui était une musique faite pour les clubs, pour la danse à la base, qui est repris par le style drill du hip-hop, donc qui rend le truc assez brosson et agressif, mais en même temps hyper rythmé. Waouh, ça crée du verlan maintenant. Ah oui, pardon. Sombre. Et ça vient dans l'album de Kershak, l'album du nom qui s'appelle Confiance, qui est sorti le 4 novembre 2022. C'est un feat avec Ziak, qui fait de la drill et qui est beaucoup écouté par les jeunes, j'ai l'impression. Oui, à la TA, t'avais un des jeunes avec qui on a fait l'atelier qui nous avait parlé de ce son-là. Ziak, Ziak, ouais. Kershak, il revient tout le temps, Ziak. Eh bien, écoutons ça tout de suite sur la radio Quartier des Ondes. KERC. C'est le 15, c'est le 7. Un peu de confiance, ça va le faire. En même temps que ma buteur, aujourd'hui je fais des bêtises. Ah ouais. Je lui prends pour qu'il garde ma drogue. Elle me dit qu'à chaque t'es un bâtard. Je fais des sous sales, j'ai des soucis. Sous l'argent, y'a que ça qui m'adoucit. Je sais ce que je fais, comment les choquer. Si c'est tendu, j'appelle les assassins. Le barrage, je connais le studio, je connais si Ambifar. On va plus me connaître. Le couteau, il est gaillard. Il fait la taille de Isaac Toré. Il fait la taille de Isaac Toré. C'est le cas, c'est le Z. Kershak, le mec que tu respectes. Cela va être le Z. Vote pour le haze et pour la purple haze. Putain de floco, lâche-moi que trouve-toi ton propre bail. Même quand c'est carré, je suis armé, tout le monde porte son propre diable. Bébé, t'as remis des sous-vêtements, si tu voulais vraiment combattre. Suite de télo, je suis à la fenêtre, je tiens la langue, je fais nom de la tête. Le joint est prend feu, j'ai mis trop de glace. Charbonné, tu faisais la fête. T'as crié partout, t'as les nouvelles. Ouais, j'avais même juré la mec. Chargé, graissé, tout ce qu'il faut. Je l'ai pas acheté, pas ta paire avec. On rentre ta boulet dans la barre. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte, fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Habs, tirer pas en plus pour les frérots. T'es faudra pas streamer quand on sera tête. On rentre ta boulet dans la barre. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte, fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Habs, tirer pas en plus pour les frérots. T'es faudra pas streamer quand on sera tête. Quand on sera tête. Le couteau fait la taille de Isaac qui fait la taille de marge. Si les deux sorties, je te démarre. Je laisse un paquet de feuilles à chaque transaction. Ça me remercie pour la démarche. Je rentre dans la tête comme un chat. Je guette la victime, je la chope. Son téléphone part dans la journée. Donc ce soir, je vais faire des achats. Mon son, plus la rue, elle a drogue. Et mes ventes, on dirait la porte. C'est moi qui la tue, c'est pas plus. C'est moi qui la tue pendant qu'elle fait la morte. J'ai moi, non, j'ai pas où t'étais, what. Quand ça vendait la coke, la wax. Ça peut plus la bombarder, chez what. Et qu'on fait pas la porte. Je te dis de ramener mon argent. Cette fois, je te dis de ramener mes sous. La prochaine fois que mes gars descendent, préviens tes proches, y'aura des décès. Je suis venu, j'ai vu, je suis venu, j'ai pris, je suis venu, j'ai tout mangé, même le dessert. On arrive dans leur PC désert. Je crois ça, je vais faire pleurer sa sœur. T'as ramené le mili, t'as ramené la kill, t'as ramené le kill. Bien vu, on avait la zipette, on avait le boudoum dans la Clio 2, ils ont rien vu. On avait la MD dans la Mercedes, ils ont rien vu non plus. Laisse nous faire, laisse la guerre, c'est pas ton truc. C'est le K, c'est le Z, dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas un an qu'ils me connaissent, ils arrivent pas sous la cadence. Comment tu me déçois ta daronne, la vérité est dure à entendre. J'ai vu des proches dans des tombes, donc c'est pas tes filles qui vont m'attendre. C'est le K, c'est le Z, dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas un an qu'ils me connaissent, ils arrivent pas sous la cadence. Comment tu me déçois ta daronne, la vérité est dure à entendre. J'ai vu des proches dans des tombes, donc c'est pas tes filles qui vont m'attendre. On sent qu'Alan, il a pas envie de le couper le son. Je pensais qu'ils allaient rechanter derrière. J'avais un petit peu oublié ça. Mais voilà, donc le son Peur de Kershak et de Ziak. Ouais, ça va pas être le type de rap moi que j'apprécie le plus, mais c'est un style. C'est vrai qu'il est beaucoup écouté, notamment au quartier du Blon. C'est vrai qu'on ne parle souvent de Kershak. Donc ça a sans doute sa place dans la playlist. Après, j'ai peur que ça fasse... que ça soit un peu agressif dans notre playlist. Ouais. Personnellement, c'est pas d'ailleurs j'aime bien le son comme ça écouter dans les écouteurs et tout, mais je sais pas si par rapport aux autres morceaux qu'on a dans la playlist passer sur ça va pas. Ah, surtout si avant on a Nabico, celle que j'ai passée avant là. Il fait chaud, il fait froid. Oui, c'est sûr. C'est peut-être un peu trop bresson. Ouais. Ça risque de réveiller un peu. Je pense que c'est un peu trop bresson. Après, voilà, vu qu'on va travailler sur aussi des playlists thématiques, on peut le garder de côté pour une playlist thématique éventuellement. Mais de toute façon, je trouverai un autre son de Kershak, un peu moins bresson. À écouter la prochaine fois, c'est pas grave. Il veut du Kershak dans la playlist.
On finit avec un dernier morceau, oui, Aurélia. Oui, alors un dernier, ça c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci, ça s'appelle Horos, le groupe. L'album s'appelle Ouragan, non pardon, le morceau qu'on va écouter s'appelle Ouragan de Horos et l'album c'est Volcan. Voilà, il y a un chant lexical très cohérent comme vous pouvez le voir. C'est très inventif, un style complètement inqualifiable que je vous laisse découvrir tout de suite. Vous allez voir, c'est un peu entre slogan espagnol, pop française, effet électro, c'est très surprenant. Voilà, je vous laisse découvrir Ouragan de Horos sur Quartier des Ondes. Je risque rien sous le verre de l'aquarium. Y'a comme un ruisseau qui me tape le crâne. Je regarde les méchants requins qui planent. Lo mejor de mí, ya te lo di. Autour c'est le capon, les grands rochers. Tes silences parfois me terrifient. No siento pena, pero tampoco siento amor. Y no volveré nunca, olvídame, por favor. Qu'est-ce que je peux faire quand n'importe quel mot te blesse mon amour? Tu peux désormais oublier mon nom pour toujours. J'avais même pas vu que t'avais plus pied. D'écouter Ouragan de Horos. Alors c'est vrai que c'est un style assez spécial, il y a beaucoup de sound design comme vous l'entendez, c'est très texturé comme morceau et moi ça me donne un peu l'impression que c'est un voyage. Le morceau est vraiment, il évolue beaucoup et l'espace du morceau aussi en termes de mixage et tout évolue. Des fois on est proche d'elle, des fois on est loin, des fois ils sont nombreux, des fois il y a un homme, des fois il y a une femme. Voilà, c'est un peu flou, mais je pourrais comprendre aussi que ça puisse pas plaire à tout le monde. Donc je sais pas, j'attends d'avoir votre avis. Si, moi j'adore, c'est comme tu dis, c'est un voyage, un peu une aventure musicale, tu sais jamais à quoi t'attendre. J'aime bien le côté espagnol français, les voix sont très belles, j'adore. J'aime beaucoup aussi, ta description est parfaite, enfin voilà. Mais par contre, je vois pas le au niveau du sport, par contre, je ne vois pas du tout l'écouter. Il est trop, ça bouge trop en fait. Ouais, c'est trop irrégulier. On va dire que ça sera après le sport alors. Ou pour faire du cirque. Je pense qu'on peut la mettre quand même, voilà. Du cirque, ou de la ouais, du cirque, ouais, pourquoi pas. Voilà, on a essayé de on a essayé de vous faire une playlist Quartier des Ondes pour faire du sport, mais bon, hein, chacun a ses son fétiche pour faire du sport. Peut-être pour faire de la slackline et se concentrer. Oui, de s'élever ouais. Et de se connecter ouais. À la nature. La slack line qui est une ligne qu'on accroche entre deux arbres, un peu comme une poutre. Merci Aurélia Thomas, merci Alan Barreau pour vos conseils musicaux. Merci à vous de nous avoir écoutés en espérant que les nouveaux morceaux de la playlist Quartier des Ondes vous plaisent. N'hésitez pas à nous contacter sur le site quartierdesondes.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram ou Snapchat si vous voulez aussi nous proposer des sons pour la playlist Quartier des Ondes. Salut à tous. Salut. Salut.